Hey yo les gens, c'est Miyuki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, c'est vrai, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de projet. Mais voilà, là, on est de retour. Je vais essayer d'être un petit peu plus actif à l'avenir. Enfin bref, je suis pas là pour raconter ma vie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. J'ai envie de parler de mangaka en ce moment. Et en fait, au début de l'année, j'ai découvert Hiroya Oku. Donc c'est le mangaka qui est connu pour, entre autres, Gantz, Inuyashiki et Gigante. Donc j'avais envie de parler un peu plus de lui, qui il est, qu'est-ce qui se cache derrière du coup ces masterclass, donc cet homme, un malade mental de science-fiction. Donc aujourd'hui, je vais notamment aborder des points de Gantz, de Gigante et d'Inuyashiki, pour voir tout ce que ce mangaka a construit. Donc si vous restez sur la vidéo, c'est que vous avez vu notamment ces trois masterclass, donc voilà, vos risques et périls si vous voulez être spoil. Mais sur ces trois œuvres, je vais beaucoup plus me concentrer sur Gantz, parce que Gantz, c'est son chef-d'œuvre, c'est là où il y a le plus de choses à dire. Donc bref, voilà, vous êtes prévenus. Sur ce, on peut commencer la vidéo, et déjà par voir d'où vient-il et qu'est-ce qu'on lui doit. Alors notre cher Hiroya Oku, il est né le 16 septembre 1967 à Fukuoka. Bon, détail assez anodin, on s'en branle un peu. Mais il travaille déjà pour Naoki Yamamoto. C'est un artiste de renommée locale. On lui doit notamment le manga Azate Dance, pour les connaisseurs. Donc une série en 7 tomes prépubliée au Japon entre 89 et 91. Et qui a été publiée en France par les éditions Tonkam. Donc c'est un seinen slice of life. Qui rappelle bien notre mangaka Hiroya Oku. Parce que il y a des scènes assez atypiques. Donc voilà, on va le dire dès le début de la vidéo, Hiroya Oku, il aime bien nous montrer des scènes de cul dans ses mangas, et on voit très bien dans ce manga Azate Dance d'où viennent ses influences. Donc rien d'autre à signaler sur ce Naoki, à part qu'il a sorti vraiment beaucoup de projets qui n'ont pas l'air d'avoir très bien marché. Enfin bref, après cette petite parenthèse, on revient du coup sur Hiroya Oku. Hiroya Oku, il est connu pour 5 mangas notamment. Le premier, c'est N. C'est un manga en deux parties qui visiblement se concentrait sur les relations intimes, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. Ok, je comprends mieux Gantz et Gigante. Donc c'est ok, c'est spécifique. Sinon, c'est non publié en France et il y a une adaptation animée avec deux OAV en 1997. Zero One, sorti en 1999. Donc encore un manga qui a pas très bien marché pour lui. Ce qui raconte, on a une histoire de vengeance qui est mêlée au thème d'un tournoi de jeux vidéo et qui s'est arrêté en 2000. Mais chose intéressante, c'est dans ce manga où on le voit utiliser pour la première fois des modèles en 3D. Et c'est quelque chose qui, bien évidemment, il va réutiliser pour ses prochains mangas. Zero One s'est publié en France en 2003 par Génération Comics. Puis vient son chef-d'œuvre, Gantz, qui commence en 2000. C'est édité en France par Tonkam en 37 tomes, puis en 18 avec la Perfect Edition qui est sortie assez récemment. Donc bien évidemment, un manga de science-fiction qui a révolutionné le genre pour son scénario et ses dessins en 3D qui sont sublimes. Donc pour résumer l'histoire, on suit Kei Kurono, un étudiant qui pense qu'à lui, un peu un enfoiré de la vie quotidienne, mais qui va se faire écraser par un métro, parce qu'il a voulu sauver un ivrogne avec Kato, un ami d'enfance. Il se retrouve quelques secondes après dans un appartement avec d'autres personnes qui viennent de mourir. Et leur vie va désormais être contrôlée par Gantz, une boule noire. Le but du manga, collecter 100 points dans ce jeu en affrontant des créatures de plus en plus dangereuses. On a aussi une adaptation animée avec deux saisons de 13 épisodes par Gonzo qui adapte jusqu'à la fin du tome 8 et après qui fait une fin alternative au manga. Bon, je vais pas parler de l'animé parce que bon. Il n'est pas très beau, donc je vous le conseille vraiment pas. Donc voilà, Gantz c'est son chef-d'œuvre, et on voit que l'auteur il aime bien parce qu'il nous fait pas mal de spin-off de l'œuvre, comme Gantz Minus, Gantz G, et aujourd'hui Gantz E qui est en cours de publication. J'ai pas lu les spin-offs, donc si dans les commentaires il y en a qui l'ont lu, bah peut-être que vous pouvez partager vos avis. Last Hero Inuyashiki en 2014. Un manga que j'apprécie beaucoup en 10 tomes, c'est édité en France par Kihun, et ça nous raconte l'histoire de Inuyashiki Ichiro, le vieillard le moins chanceux du monde. Rien qui va dans sa vie, sa famille l'ignore, et il lui reste que 3 mois à vivre parce qu'il a le cancer. Son seul ami, c'est son chien, et il va être tué par des extraterrestres qui vont reconstruire son corps en machine. Il est guéri de sa maladie, c'est quand même une bonne nouvelle, mais il n'est plus humain, et le but de l'œuvre, c'est voir s'il va réussir à s'adapter à sa nouvelle vie. Est-ce que il va garder ses émotions comme il l'espère. Enfin, vraiment une œuvre très touchante.
que je vous recommande fortement. Et son dernier grand manga, Gigant, en 2018. Un manga très original où Oku, il a vraiment mis la barre haute en termes de fanservice. C'est édité en France en 2019 par Kihoon, et on suit l'histoire de Rei, un étudiant passionné de cinéma, dont son artiste préféré, c'est Papiko, une star du porno. Oui, vous avez bien entendu. Tout va changer dans sa vie quand il découvrira qu'elle habite dans son quartier. En arrachant les affiches injurieuses dans son quartier, il va tomber justement sur elle, et c'est le début d'une longue amitié, voire peut-être plus qu'une amitié. Une œuvre qui tournera science-fiction dans le thème de super-pouvoirs et d'extraterrestres que l'auteur aime visiblement bien depuis Gantz. Bon voilà, je vous ai présenté ses principales œuvres, et on va maintenant voir ce qu'aborde le mangaka et comment il m'a personnellement marqué, et je pense que c'est votre cas aussi. Déjà, on commence par les émotions, parce que Hiroya Oku, c'est un mangaka qui joue beaucoup avec nos émotions. On va commencer par Gantz. Gantz, on joue beaucoup sur le fait que t'es jamais à l'abri de voir un personnage que tu kiffes mourir. Genre, page d'avant, tu peux avoir une mise en avant importante, et page d'après, il peut très bien te le couper en deux, le personnage, vraiment. C'est le maître de son manga, totalement logique, mais ça fait mal. En fait, dans cette œuvre, tu passes par tout type d'émotions, la tristesse, la colère, la joie, le dégoût, la surprise, vraiment tout. Le mangaka, il se cache pas, et il appuie bien sur le fait que c'est un seinen pour nous montrer tout type de situation qui nous affecte ou pas. Le choc que l'auteur nous fait à la fin de l'œuvre sur la fragilité des êtres humains, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que, ouais, il nous montre à quel point la vie humaine, elle est fragile par rapport aux extraterrestres. L'auteur qui représente les extraterrestres comme des dieux qui répondent aux questions des humains, par exemple, on va leur demander « Est-ce que Dieu existe ?» Qu'est-ce qu'il y avait avant la création de l'univers? Qu'y a-t-il après la mort? Qu'est-ce que je fiche en fait dans ce monde si tu peux me détruire en un claquement de doigts? L'auteur te torture avec ces questions-là, et du coup notamment à la fin. Les aliens qui s'amusent notamment avec le deuxième Kei en faisant ressusciter Sei, qui est du coup sa première copine morte dans les premiers tomes, quand les joueurs de Tokyo, je crois, ils affrontent des statues. Et donc du coup, cette fameuse Sei, qui est d'ailleurs un personnage incroyable, voit justement que Kei, il est avec Reika, et donc du coup, on a ensuite une triste conversation avec les aliens, qui s'amusent à la retuer, une scène qui fait vraiment mal pour le coup. On est beaucoup sous le choc quand on lit Gantz, parce que, du début jusqu'à la fin, comme je le dis, t'es pas prêt en fait, quand tes émotions sont vraiment mises à l'épreuve. Et plus t'enchaînes les révélations, plus tu te dis, oh là là, c'est quoi que je suis en train de lire. La joie, elle est généralement de courte durée entre chaque arc, donc faut savoir apprécier dans le manga les quelques moments tranquilles. Dans Inuyashiki, les émotions, notamment c'est la tristesse par rapport au personnage principal, parce qu'il nous fait mal. Il nous fait mal, genre ce Ichiro qui souffre depuis le début à avoir le cancer, puis finalement, quand il l'a plus, qu'il est reconstruit en machine, tu le vois souffrir en se demandant est-ce qu'il a encore des émotions ou pas. Enfin, vraiment, c'est une œuvre qui est au début très triste. Puis au final, plus t'avances, plus tu dis, plus c'est la joie, plus c'est l'admiration justement envers ce personnage que tu aimes le voir réussir. Genre par exemple, quand il utilise ses pouvoirs pour sauver le plus de gens malades dans les hôpitaux, parce que du coup, grâce à son corps qui a été reconstruit en extraterrestre, il décide de sauver le maximum de personnes malades dans les hôpitaux, ce qui est vraiment une noble cause. Donc à la fin, il mérite d'être heureux, et justement, j'y reviendrai un peu plus en détail dans la prochaine partie. Et pour finir sur les émotions, dans Gigant, on va dire c'est plutôt de la surprise quand tu vois tout ce qui est Peggy 18, hein. Mais sinon, du dégoût, notamment quand tu vois ce qu'est capable de réaliser l'être humain. Parce que oui, Gigant, c'est une œuvre avec beaucoup de scènes Peggy 18 montrées, mais il y a quand même un vrai message qui est montré, et justement, je vais y revenir aussi dans la prochaine partie, qui est les messages que l'auteur souhaite passer. Gigant, les réseaux sociaux. En fait, pour recontextualiser, dans Gigant, on a un événement qui démarre à partir d'un site internet qui s'appelle Ete. Et ce site internet, justement, il propose des sondages avec différentes actions, et l'action qui sera la plus votée sera réalisée. Oui, c'est assez spécial. Du coup, à la fin, on aura quand même l'explication du pourquoi. Et donc, du coup, on peut très bien, dans le manga, voir une pluie de caca. Oui, il y en a, il y a des gens qui vont voter pour qu'il y ait une pluie de caca, jusqu'à la mort de centaines de milliers de personnes dans Tokyo.
Et donc un événement qui est réalisé par des extraterrestres, mais c'est les humains qui décident quelle action ils veulent voir. Les extraterrestres, eux, ils font que faire, enfin ils font que proposer, et c'est les humains qui décident de voir des actions assez spécifiques. Donc c'est eux les fautifs. Oku nous montre la superficialité des humains derrière leurs écrans, qui aiment bien, comment dire, se montrer fiers d'eux. Ah oui, tiens, on va tuer des dizaines de milliers de personnes, on s'en branle, de toute façon ça sera pas fait, bah si, tiens, ça sera fait. Par exemple, même Titouan qui aime bien répondre aux stories de Mister V en étant péjoratif, sans aucune raison, c'est aussi un exemple de la superficialité des humains. Voilà, on aime bien avoir un filtre quand on est sur les réseaux sociaux, et c'est très bien mis en avant pour montrer qu'on fait n'importe quoi derrière notre écran, et que IRL, c'est pas du tout la même chose. Donc le mangaka, il utilise ce site internet pour nous dire de changer, nous, cette jeune génération, qui utilisons le plus les réseaux sociaux. Donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment un beau message qui est passé par l'auteur, et franchement, allez lire Gigante, même s'il y a beaucoup de fanservice, mais c'est pas grave, il y a quand même un beau message. Je vais reparler de Gantz, et donc du coup, le message, notamment, qui est de chérir le moment que tu passes avec tes proches, car ça pourrait très vite se finir. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans l'œuvre. Tu peux être une sombre merde comme Kay, mais change, tu peux devenir quelqu'un de responsable, bordel. Kay, c'est quelqu'un qui a plus de contact avec sa famille, qui le rejette, et même quand sa famille le voit se battre, elle ne fait rien. Elle le laisse se débrouiller seul comparé à son frère qui est, bon, même si on le voit pas non plus des tonnes, quand même assez chéri par sa famille. Et donc tous les événements que vit Kay, justement, qui était au début une sombre merde, ça va lui permettre de gagner vraiment fortement en maturité. Là où au début on a quelqu'un qui pense qu'à lui-même, oh tiens je me dépêche d'avoir les 100 points, comme ça après je me casse du jeu et bats les couilles de ce qui arrive aux autres, il devient petit à petit le leader de chaque chasse, c'est celui qui se sacrifie pour les autres, celui qui pense à sauver le plus de personnes possible. Et le moment qui m'a vraiment le plus touché justement avec ça, c'est quand Kay, il a atteint les 100 points et qui demande à ressusciter Kato. Et là, ça nous montre vraiment la belle évolution du personnage. Il ressemble justement de plus en plus à la personne qu'il a ressuscité, c'est-à-dire Kato, qui lui y pensait vraiment fortement aux autres. Et bien évidemment, il change grâce à sa petite amie Tae. Donc voilà, Tae, c'est pas forcément le personnage. C'est pas la bombasse de l'œuvre comme Reika ou Sei, mais c'est quelqu'un de très important dans l'œuvre. Puisque tout part d'une blague de Kay avec des potes au lycée, et au final, il se retrouve à s'attacher à elle. C'est vraiment le personnage le plus random, mais qui nous permet d'avoir une belle évolution du personnage de Kay. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, faut chérir les moments que tu passes avec tes proches, car tout peut très vite se finir dans Gantz. Tu peux très bien voir Kato qui meurt, tu peux très bien voir Tae qui se fait enlever par les extraterrestres. Enfin bref, tout peut arriver. Ce que j'aime bien aussi dans Gantz, c'est qu'on a quand même un sacré message sur le racisme. Donc on est dans le dernier arc, c'est la guerre contre les aliens, et on voit un génocide des humains qui est fait par les aliens. Et puis on a le moment où, pendant cette guerre, Tae se fait kidnapper dans la ville des aliens, par justement une enfant qui va la mettre dans une cage, où justement les humains sont traités un peu comme des animaux, comme nous on pourrait le faire justement avec les nôtres. Et donc on a le moment où Kay justement arrive dans cette ville d'aliens pour sauver Tae. Et justement, il menace une extraterrestre pour justement retrouver celle qu'il aime. Et puis au final, l'extraterrestre se retrouve à coopérer et fait promettre à Kay de justement pas tuer son espèce. Bon, malheureusement, la promesse ne sera pas tenue, pas parce que Kay va faire l'inverse, mais parce que y a eu des éléments extérieurs. Mais ça a quand même permis à Kay de gagner en maturité et de, voilà, de pas tuer tout le monde sous le coup de la colère. Donc l'auteur, il voulait nous faire croire qu'il était possible de régler un conflit par la paix, mais malheureusement, avoir une relation d'égal à égal entre humain et alien n'était pas possible parce que l'humain, il a soif de pouvoir. Et ça, c'est un beau message, non, pas du tout. C'est vraiment pour nous montrer qu'on peut être très méchant quand on veut. Et pour finir, Inuyashiki, œuvrer pour le bien de la société. J'en ai déjà justement un peu parlé plus tôt, mais Ichiro, ce vieillard, il a de nombreuses réflexions et il se dit « Je vais utiliser mon pouvoir pour le bien de la société. » Et c'est vraiment un beau geste, parce que justement, il va pas se montrer, il va rester dans l'ombre, mais il va passer dans le plus d'hôpitaux possible pour soigner un maximum de malades. Et tout le contraire, justement, de l'antagoniste principal d'Inuyashiki, Hiro, qui lui a eu aussi des pouvoirs comme Ichiro, et qui lui finalement se pense être un dieu,
et qui va utiliser ses pouvoirs pour semer le chaos en tuant n'importe qui l'aime pas. Et ce que j'aime bien aussi dans Inuyashiki, c'est la famille. Parce qu'on a ce côté famille justement dès le début, où on voit que Ichiro il achète une nouvelle maison pour sa famille, mais eux ils en ont rien à foutre. Donc au final, il lui reste que son chien avec qui discuter. Bon, j'avoue, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais justement, par la suite, les belles actions qu'il mène, de son côté, justement, sa famille n'est pas au courant. Et c'est à la suite des événements finaux du manga où on va voir que la fille d'Ichiro va être bloquée dans une tour à Tokyo et que les liens justement familiaux vont revenir. Son père qui lui promet de la sauver lorsqu'il affronte Hiro, puis vient le sauvetage justement, la découverte du secret par sa famille qui justement lui a fait vraiment du mal et qui voit que Ichiro c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui pense à sauver les autres avant lui. Et c'est vraiment une belle leçon qu'on prend dans cette œuvre côté famille. Et c'est vrai qu'on voit très très peu ça dans les mangas, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai envie maintenant de parler de références. Et donc je me suis notamment intéressé à Gantz, parce que c'est quand même son classique, hein, comme je l'ai dit. Et en fait, Hiroyaku, c'est un peu un Fujimoto, il aime bien nous faire plein de références dans ses œuvres. Donc je m'y étais pas intéressé quand j'ai fait ma lecture, mais j'ai trouvé quelques éléments intéressants me baladant sur internet. Donc voilà, je vais vous faire une petite énumération des références qui sont notables dans Gantz. L'un des vampires dans le manga ressemble fortement à l'acteur Vincent Gallo du film Buffalo 66. Dans l'anime, l'ordinateur portable que Nishi utilise pour suivre les jeux était un Apple PowerBook G4. Voilà, c'est vraiment une référence de merde, mais franchement, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça. Les vampires les plus forts de l'univers de Gantz y sont vêtus de costumes et portent des lunettes de soleil. Et ce qui est pas sans nous rappeler les agents de la trilogie Matrix. Pour ceux qui ont vu, voyez de qui je parle. Dans l'épisode 3 de l'anime, bon il est merdique mais j'aime, il y a quand même des belles références, on a justement des références à Dragon Ball et Hokuto no Ken. Donc l'auteur il nous fait référence à Goku et Kenshiro que Kato utilise pour décrire Kurono. Alors j'avoue que celle-là je l'avais pas vu venir mais j'aimerais justement bien voir qu'est-ce que Kato y trouve de similaire justement à Goku et Kenshiro par rapport à Kei. On a la chanson qui est jouée par Gantz et c'est tirée d'un programme radiophonique d'exercice populaire d'après-guerre au Japon. Eichmann, a test, fait référence à Adolf Eichmann, un soldat SS de la Seconde Guerre mondiale. Et justement, ce terme Eichmann test décrit les instructions données au joueur qui obéit aveuglément à Gantz et qui tue les extraterrestres. Chapitre 57. C'est justement pendant la mission Bouddha, on s'aperçoit qu'elle ressemble quand même fortement à Lara Croft de Tomb Raider. Bon, je pense que celle-là, elle n'était pas très difficile, mais c'est quand même à noter. Chapitre 57, toujours, Juzu, qui est le sniper militaire justement de la mission, il ressemble quand même fortement à Duke Togo, qui est le nom de code de l'assassin de Golgo 13. Et le karatéka américain, toujours de cette mission, il ressemble à Jesse Howard de SNK. Chapitre 93, l'ordinateur que Kei Kurono utilise est un Sony Vaio. Chapitre 114, Hiroto Sakurai, qui porte un pull de la Ligue des Champions. Voilà, ça fait toujours plaisir. Hein. Chapitre 117, Kei Kurono qui pose comme Karate Kid. Voilà, très belle référence, j'aime bien. Et pour finir, chapitre 122, une publicité pour le film de James Bond qui est visible en arrière-plan à la page 5. On voit quand même que, bon, c'est peut-être pas du niveau de Fujimoto, parce que Fujimoto, il fait quand même des références cinématographiques assez connues, mais ça reste quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a comme référence dans Gantz. Et pour finir, bien évidemment, mon avis sur les œuvres que j'ai lues de Oku, qu'on va commencer par Gantz. Donc dès le début, j'étais fan de l'univers. Gantz, c'est un peu l'œuvre où tu comprends pas grand-chose par moment, mais même si tu comprends rien, qu'est-ce que tu kiffes, bordel? J'ai pas envie de me répéter, mais je pense que ça se voit que si j'ai fait une vidéo sur Hiroya Oku, c'est que j'ai kiffé ses œuvres, donc ça se voit, je pense, les émotions qu'il m'a transmises avec cette œuvre. Dès le début, t'as une ambiance thriller, jeu vidéo, science-fiction, et ça m'a direct capté. Un développement de personnages incroyable,
J'ai un gros coup de cœur notamment pour Kei, pour Reika et pour Kato. Des planches incroyables, du décor en 3D qui m'a vraiment pas dérangé. C'est facilement un des mangas que j'ai le plus apprécié des dernières années. Pour ce qui est d'Inuyashiki, ouais, j'ai quand même abordé principalement les mêmes thèmes. C'est vraiment les émotions de ce manga. C'est, je pense, son manga qui m'a le plus ému. C'est le personnage de Ichiro, qu'est-ce qu'il est attachant. Il nous fait mal au début, quand on voit toutes les merdes qu'il a, puis à la fin, t'es content pour lui. Il y a vraiment une belle évolution du personnage, mais il n'y a pas que lui. Il y a quand même un casting intéressant. Donc merci beaucoup pour les travaux. Et merci pour l'opposition avec Hiro que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est fou quand même en 10 tomes de faire une histoire si marquante qu'Inuyashiki. Et pour finir, Gigante. J'avais un peu du mal à être dans l'œuvre au début parce que je voyais pas où Oku il voulait en venir. Mais dès qu'on a eu justement cette patte science-fiction avec le personnage de Shio, qui est d'ailleurs excellent au passage, bah j'ai quand même vachement apprécié. J'ai le délire avec le site internet est vraiment, vraiment giga intéressant pour nous montrer à quel point les êtres humains sont, enfin notamment derrière les réseaux sociaux, sont très superficiels. Et puis c'est rare quand même de voir une prota féminine, et en plus l'héroïne quoi est quand même assez spécifique, tandis que le personnage de Rei est assez mis en arrière comme lui n'a pas de pouvoir. Ce qui gêne pas, hein. Je dis pas, ça me gêne pas justement d'avoir un prota féminin de temps en temps dans les mangas que je lis, parce que voilà, ça peut apporter de grandes choses. Et c'est ce que Papico justement a apporté quand même pas mal de choses intéressantes dans Gigant. Enfin bref, vidéo finie, j'ai vraiment adoré écrire justement cette vidéo, essayer de voir par exemple des références, essayer justement de montrer à quel point ces œuvres qu'il a écrites m'ont marqué. Donc voilà, j'espère que vous l'avez ressenti, que vous ayez lu ou que vous ayez pas lu. Est-ce que d'ailleurs je vous ai donné l'envie de lire? Ça vous pouvez me le dire en commentaire. J'espère d'ailleurs notamment que si vous avez pas lu Gantz, vous le ferez bien assez tôt, parce que c'est vraiment une œuvre qui vaut le coup. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Enfin bref, c'était MC Miyuki pour vous servir.